Bah écoutez, ça va très bien. Ça va très bien parce qu'aujourd'hui, on est ravis d'être là au Salon de la Franchise. L'année dernière était une édition un peu différente. Là, on revient dans un rythme normal. Il y a beaucoup de monde qui sont déjà là dès le premier jour. Et notre marque, Stéphane Plaza Immobilier, se porte très très bien. Donc, ça va. Alors, notre concept aujourd'hui, c'est d'accompagner les gens dans leurs projets. Beaucoup d'entreprises se revendiquent comme étant des personnes, des entreprises qui accompagnent les clients à chacune de leurs étapes. Mais nous, pour ce faire, notre volonté, elle passe par le transfert de compétences. C'est-à-dire que nous allons accompagner nos clients en leur apprenant notre métier pour qu'on puisse parler le même langage et prendre des décisions qui soient raisonnées et comprises de tous. J'insiste, hein, on ne se positionne pas comme étant un sachant auprès de nos clients, mais vraiment on co-construit le projet avec eux. On me pose souvent cette question, mais on n'a pas à la gérer parce qu'en réalité, l'activité n'a pas baissé durant la période Covid. Elle a nécessité un nouvel aménagement de process, de procédures, de prise en charge des candidats. Et nos franchisés, ils ont dû aussi se réorganiser pour accompagner leurs clients. Mais l'immobilier, les gens ont toujours besoin de se loger, que ce soit à la location ou d'acquérir. Et aujourd'hui, bah, les modes de consommation changent. Les gens s'installent dans des territoires où avant on ne s'installait pas, mais le télétravail l'a permis. Donc aujourd'hui, ça va très très bien. C'est des bonnes années qui viennent de se passer et une qui démarre là de la plus belle des manières. Toujours la même chose, être présent autant que se peut en fonction des besoins des clients. Aujourd'hui, on a la chance que notre marque arrive à s'implanter sur des territoires là où il n'y a pas d'autres franchises immobilières. On y arrive parce que la marque plaît, elle est populaire. On a été élu encore une fois pour la deuxième année meilleure agence immobilière de l'année et marque préférée des Français. Donc aujourd'hui, là-dessus, tout se passe bien aussi.